Attention, faut les enlever avant de passer. Hein. C'est en tout cas les choses sérieuses qui débutent tout de suite avec Zhou Kai, le chinois. Sixième lors de la finale des championnats du monde. Avec une dot de 15,550. Il a obtenu 15,600 lors des qualifications. C'est lui qui avait obtenu la meilleure note des qualifs, Zhou Kai. Donc allez, c'est le meilleur pour commencer. Rondade flip, double vrille et demi, suivi d'une double vrille. Ah, malheureusement, la main qui sort un peu des limites. Ça sera sanctionné. Pourtant, très belle première diagonale. Ici, vrille et demi. Vrille et demi, suivi d'une double vrille. Là, c'est pile chute. Rien à dire. Prise d'élan, rondade flip. Ici un diabolique tendu, il s'agit d'une vrille et demie arrivée en roulade. Le fameux travail en triple russe. Petit passage chorégraphique pour se replacer vers une autre diagonale, un autre côté. Vrille avant, suivi de 1,5 roulé. Et la dernière diagonale pour le chinois, pour l'instant c'est pas trop mal, rondade flip, double groupé avec une vrille. Splendide, c'est pile chute, cette dernière diagonale qui va lui offrir quelques points. Alors il a un gabarit évidemment assez étonnant, hein. C'est un gymnaste tout petit, très très tonique, et vous le voyez, il va très très haut. Voilà, le haut du corps assez fin, par contre des jambes extrêmement musclées. C'est un vrai spécialiste, hein, cet appareil. Non, il a le morphotype idéal, Zhou Kai. Alors je pense pas qu'il devrait être trop pénalisé par cette petite sortie, peut-être un dixième. Alors attention, parce que la marge n'est quand même pas énorme, hein, parce que je vous évoquais ces notes 15-600 en qualif. Sachez que Ri Se-gwang, le Nord-Coréen, était à 15-400, donc la marge n'est pas énorme. Il faut quand même qu'il reste au-dessus des 15-500 pour être tranquille. 16, et bien voilà, il est nettement au-dessus des 15-500.